I seen a lot of shit I shouldn't have, but never forgot it though. Brothers on the corner selling crack like it was nada though. Walk inside my kitchen, baking soda all up on the floor. Police banging on the door while gripping the 44. I was just a youngin', but this type of shit I seen before. Y'all see a white boy, but my daddy a negro. Half breed motherfucker, grip the mic and he flow. Yo tout le monde, c'est Stéphanois, comment allez-vous? Pour ma part, ça va super, donc aujourd'hui, ce sera un tout nouveau gameplay, une toute nouvelle vidéo sur l'Obscur Clan, un tout nouveau gameplay, un tout nouveau camp Atari, les frérots. Et pour le gameplay aujourd'hui, les gars, on vous réserve du lourd, c'est une triple nucléaire à la BRM. Donc avant de quitter la vidéo et de mettre 10 likes, parce que voilà, pour toi, la BRM, c'est une arme de pute, je t'invite à rester 20 secondes de plus pour m'écouter et faire ton propre avis, après tu pourras dire. Mais les frérots, il faut savoir que la BRM, n'est certes, je suis totalement d'accord avec vous, c'est une arme de pute, c'est une arme pour les noobs, mais je vais essayer de un peu vous éclaircir. C'est que la BRM, les gars, c'est une arme qui va te faire gagner des duels, certes, mais pour faire un gameplay avec, les gars, c'est quand même beaucoup plus dur. Je pense que là, pour vous, c'est pas clair, donc je vais essayer de vous éclaircir un petit peu plus. Combien de triple nuque, pour ceux qui suivent la performance, combien de triple nucléaire vous voyez sur YouTube à la VMP et combien vous voyez de triple nucléaire à la BRM? Je pense que là, c'est un petit peu plus éclairci, les gars. La BRM, il y a presque aucun gameplay avec, parce que certes, tu peux gagner, tu peux faire une sanguinaire très rapide avec en défonçant tes ennemis, mais faire 60 kills sans mourir, 90 kills sans mourir à la BRM, les gars, c'est beaucoup moins facile, car c'est pas une arme, voilà, où tu peux courir très très vite, où tu peux viser très très vite. C'est une arme qui est très très lourde, et voilà, je pense que vous avez compris que la BRM, c'est quand même une arme un peu plus dure à gérer que, voilà, que les armes qu'on voit d'habitude niveau performance, que ce soit des Weevil, de la VMP, de la Manowar. Voilà, on voit énormément d'armes, et cette arme, on la voit pas beaucoup. Donc moi, ça m'a fait plaisir de voir ce petit gameplay, les gars. Ça change un peu de l'ordinaire. D'habitude, on voit tout le temps, les gars, des triple nuques à la VMP, dans Nuketone, en liaison, en Domic, le Purif. Et ben voilà, les gars, ça me fait plaisir de vous faire un petit gameplay comme ça, qui certes, pour certains, disent que, voilà, que la batteuse, c'est plus pute. Mais bon, les gars, on n'est plus à l'époque de Black Ops 2 où c'est parce que tu joues à la batteuse, t'es un noob. On a un petit peu plus évolué, les gars, depuis ce temps. Voilà, maintenant, la batteuse, c'est devenu un peu une arme comme les autres, qui a les mêmes stats que les autres armes. Après, certes, elles sont tout le temps abusées niveau des dégâts et de la cadence, mais bon, écoutez, c'est quand même une batteuse qui est très très lourde, donc elle est quand même assez dure à gérer. Bref, les gars, comme je vous disais, les gars, c'est un peu un gameplay qui sort de l'ordinaire, un gameplay qu'on voit pas souvent, et moi ça me plaît, les gars, de vous faire un petit gameplay comme ça. Donc n'hésitez pas vraiment, les gars, à mettre un gros like pour ce gameplay, au moins les 500 likes sur l'Obscur. Vous êtes des malades, on sait qu'on peut le faire, les gars, parce que voilà, en ce moment, les gars, on fait quand même pas mal de vues. Voilà, je trouve qu'on fait beaucoup de vues, donc ça me ferait plaisir qu'on fasse pas mal de likes, les gars. Ma chaîne est en description, j'ai oublié de le dire, voilà, la petite pub, c'est quand même, les gars, c'est moi qui ai fait ce gameplay, donc le gameplay que vous avez sous les yeux et qui fait aussi ce commentaire, je pense que vous l'avez compris depuis environ 2 minutes 28, donc les gars, oui, donc n'hésitez pas à aller voir ma chaîne, les gars, je l'ai upload il y a pas longtemps, Obscur, ça m'a fait gagner 200 abonnés, donc ça me ferait plaisir d'atteindre les 3500 abonnés et qu'on atteigne les 500 likes sur cette vidéo, si on fait les deux, les gars, c'est que vous êtes des malades, toi, c'est que vous êtes des malades. Pour ma classe, les gars, c'était la BRM viseur Hello, cross poignée ergo et chargeur rapide. Donc vraiment, les gars, si vous voulez faire un petit gameplay à la BRM, je vous la conseille. Et en plus, comme vous l'avez vu, j'avais onde thermique. Donc les gars, quand je vous dis que c'est un gameplay qui sort de l'ordinaire, là, franchement, vous pouvez pas dire que c'est un gameplay qu'on voit souvent. Je sais pas si vous voyez souvent des triple nuques dans Fringe sur la BRM avec onde thermique, les gars. Mais perso, j'en vois pas beaucoup. Voilà, pourquoi l'onde thermique? Parce que de base, je voulais tenter une double nuque au couteau. Et puis j'avais oublié de mettre un autre spé parce que voilà, on est arrivé sur Fringe. Du coup, j'ai pas eu le temps de mettre un autre. Et tu vois, je pense que pas avoir eu le temps de mettre la faux, un truc comme ça, ça m'a limite sauvé la vie. Parce que j'aurais mis, les gars, une faux, un purif, ça se peut que je m'en serais fait tuer. Parce que vous verrez que l'onde thermique, des fois, je vais être en duel contre 3-4 mecs. Et elle va m'aider de ouf, les gars. Elle va vraiment super bien m'aider. Donc voilà, c'est peut-être un spécialiste qui est quand même surcoté, qu'on voit vraiment pas souvent. Mais moi, les gars, je vous le conseille pas mal. Si vous voulez faire votre première nuque et que vous perdez souvent des duels bêtement, et ben, au lieu de perdre ces duels bêtement, vous activez votre onde thermique et vous le tuez super facilement, les gars. Donc vraiment, les gars, franchement, si vous n'avez jamais fait de nuque, je pense que voilà, c'est pas normal, les gars. Faut que vous fassiez votre première nuque. Donc n'hésitez pas à prendre ces spécialistes, les gars. C'est ce que je vous conseille le plus, hein, parce que la faux, le purificateur, c'est bien beau qu'on voit des gameplays des triple nuques avec, mais faut quand même savoir gérer ça. Faut quand même savoir gérer le purif, gérer la faux, avoir un minimum de shoot et de déplacement, les gars. Faut pas croire qu'on fait des triples nucléaires comme ça, parce que là, certes, les gars, là ça a l'air facile en voyant ce gameplay, parce que là je fais des 2 balles et tout, mais faut savoir que le gameplay vient du mode studio, les gars. Je mets pas 2 balles, voilà,
Bon, en vrai, là, je regarde des gameplays en même temps que vous, les gars. J'avoue qu'on dirait presque que c'est de l'hardcore limite. On voit, je mets vraiment que 2 balles, regardez-moi ça. Mais ça vient quand même du mode studio, donc c'est normal, les gars. Je mets pas 2 balles comme ça. Hein. Je prends non plus un connecto à ce point. Donc, les gars, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu, que mes commentaires vous plaisent. Malgré voilà que je suis quand même assez jeune, j'ai pas vraiment la voix de faire des commentaires pour l'obscur. J'espère vraiment qu'ils vous plaisent, les gars. Ça me ferait plaisir de mettre des petits likes. Vous irez vous abonner à ma chaîne YouTube, les gars. Je peux d'à peu près 2 vidéos par jour. Une vidéo tous les 2 jours. Donc, les gars, ça me ferait plaisir qu'on atteigne aussi des 500 likes sur l'obscur. Et que si vous ne connaissez pas l'obscur clan, que vous regardez quand même la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, les gars. On envoie du très très lourd. On est une team performance. Bon, je pense que vous l'avez compris. On va pas non plus faire la présentation de l'obscur clan. Donc, on arrive sur la fin de la vidéo, les potos. Je suis, il me semble, en brutal. Donc vous voyez que là les gars, je me suis barré du spawn, arrivé en brutal, je voulais tellement l'avoir la triple. Et vous voyez que les gars, on est qu'à 110 points. Donc j'ai eu le temps pour la penta. Bref les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça fait 4 fois que je dis ça. Donc on va vite s'arrêter là. C'était Stéphanois, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir les gars, on regarde tous les commentaires. Allez salut tout le monde, peace. Fans know my lyrics deeper than the sea flow, but we dumb it down so they spin it on the radio. Racism all up in them, that shit is irrelevant. My flow is colorblind, rapping for the hell of it. I don't give a fuck, my mind stays celibate. Run quick, tell a bitch, rap getting me hella rich. Out the blue like elephants, my flow is so elegant. Death before designer, murdering rappers in front of their mamas. I rap by Tynus, decipher the word cause it's a